Ouais, excusez-moi. J'ai pas entendu. Ouais. Croxé, c'est les combats ont lancé, un vaisseau ennemi sur zone. T'es arrivé quel vaisseau, Croxis? Je suis arrivé avec un Aegis Gladius Veillant. Ah, t'as le Gladius. Il est arrivé avec un Gladius. Oh là là! C'est passé quoi? Ah, il y a un Il y a Gladius quoi? qui est en train de chasser Overflow. Ah, il a balancé ses missiles. Ben, C'est je les crois que missiles qui ont ça a explosé. tué un de nos camarades d'ailleurs. Ouais. Non. Non, ça a explosé en l'air. Non, ça a explosé devant moi, mais j'ai rien eu. Ah non, effectivement. Regardez les gars, regardez la lisière, les crêtes en face de vous. S'il n'y a pas un vaisseau qui arrive ou un truc du genre. Parce que là ils sont en train d'occuper la chasse, donc ils vont pas tarder à arriver. Faut bien regarder autour. Pourquoi je peux pas m'allonger là? C'est double, c'est X? Ouais, mais le sol il est peut-être pas assez plat. T'appuies une fois, mais il faut le sol super Ouais. plat. Il fait beaucoup de bruit, Gladius, je pense qu'ils vont pas tarder à arriver avec un autre moyen. Plusieurs vaisseaux dans les airs, effectivement. Ils ont bien préparé l'attaque. Deux vaisseaux ennemis, ou trois vaisseaux. Deux vaisseaux J'en vois ennemis. deux. On dirait TF aussi à la limite. Bref. Non, non, c'est Il va bon. savoir, il va savoir. Ouais, il chasse Peiko. Ouais, mais là, deux contre toute la rachat, c'est pas. Soit ils ont plus personne, soit c'est juste pour attirer l'attention. Ah ouais. Regardez bien le. Si vous voyez pas des vaisseaux sur la ligne de crête. Hein. Parce que tu vois, il arrivait quand même à midi du shelter à basse altitude. Ouais, il va peut-être faire le Ça veut tour. dire qu'il. Ouais, attends, ils sont arrivés sur un autre. Il va être soit sur les 9, soit sur les 3, ouais. Je pense pas qu'il prenne les 6, il est beaucoup trop dégagé les 6. Mais bon, on sait jamais. Bah il y a moyen, hein, parce que tout à l'heure quand je suis revenu, il y avait une grande zone assez plate et suffisamment cachée. Et Ouais, mais surtout... t'es vachement à découvert à pied sur la zone de 6. Après, ouais, voilà. Tu vois, là, devant le 6, là, j'ai un grand plateau désertique, tu vois. Je vois qui... n'importe qui marche, tu Ouais. Paiku, rip. Ouais, bah ça, de toute façon. Il a un sabre et puis un Gladius. Mais ils savent très bien, ils prennent les quotas en priorité. Ouais, mais c'est normal. C'était un MMP, ça. Ouais. Ouais. Bah c'est le sabre intercepteur ou je sais plus comment ça s'appelle. Sur les 9 RS. Ouais. Sur les 3 de même RS. Et 6 totalement RS. Ouais, bien reçu, nous sur les 6 et 3 heures RS. Bien reçu. Putain, faut vraiment que je nettoie mon écran. Putain. Ça fait au moins un an que je l'ai pas nettoyé, il est dégueulasse. Bon bah ils ont pu s'amuser un peu mais... Ils étaient Reste plus envoyés que des troncs. deux. Je sais pas, je vois encore la chasse se battre, non? Ah oui, ils se battent encore. Bon, parfait pour arriver. Ah putain, en tout cas, vos enregistrements, ils vont être folle hein. Ça va, c'est pas un enregistrement MP4 que j'ai là. Ah non, je crois que Maca qui a été mort. Bah oui, presque mort et ses moteurs sont en feu. Oui. Les grosses traînées de flammes. Ah non, c'est pas Macaque. Ah si, c'est lui. Si, c'est lui.
Oh, moi j'enregistre depuis tout à l'heure, mais bon, ça va être une grosse partie de cut. Ouais. C'est parti à la poubelle. C'est le moment où il y a les missiles qui passent au-dessus, mais. Oula, ça me tire dessus, ça me tire dessus. Faites attention. Ça tire sur les vaisseaux. Ouais. C'est ah, ça va. Ouais. Non, c'est pas un Hornet. Si, si, c'est un Hornet. Super Hornet, ouais. Moi je connais ça, pas les vaisseaux. Vaisseaux. Attendez, attendez, écoutez. Non, j'ai cru entendre un vaisseau. Au Razmot. Restez pas à côté des vaisseaux. Ah ouais, ouais. Si ils explosent, ouais. On est marrant. Et moi, c'est les. Putain de 9h, ils ont. Y'a Dagon? C'est pas trop grave, hein. S'ils attaquent par là, on pourrait aller. Merde, tu vois ouais. Les 9h, toi, Bandoul, non? Bah, je vois les 9h vite fait, mais. Attends, je veux dire. C'était quoi ça? Y'a un vaisseau qui a explosé. Ouais. Vaisseau en rasmote. Sur ta gauche, là. Un haro, peut-être? Ouais. Titan. Titan au-dessus du shelter. Avenger Titan, Avenger Titan. Ouais, il arrive sur les 9. Je vais me décaler vers toi, Bendul. La soute est ouverte. Hein. Il va, on dirait, ouais, soute ouverte, on dirait qu'il va arriver sur les 9, 6 heures. J'ai un avec toi parce qu'ils vont se poser là-bas, ok. Tu peux donner l'info à la limite. Ok, il s'est posé sur les 7-8 heures. 7-8 heures. Ouais. On passe avec Red, on passe. Merde, putain, je bug. Je commence à courir. Attention au cardio. Roxor, ouais. Tu surveilles les 6. Ouais. Croxy, Mowgli, vous surveillez toujours les 3. Ouais. Yes. Okay, je le vois, il est assez loin. Il est presque au sommet de la colline en face. C'est quoi ce vaisseau? Ah, ah, c'est une bombarde. Ça tire, c'est une bombarde. C'est une bombarde au sol. Mais c'est le Gladius. Alors attention que maintenant il ne contourne pas. Deux vaisseaux, trois vaisseaux en l'air. Oh, quatre, il y en a quatre. Vaisseaux. J'en ai vu quatre. Il y a deux Hornets. Et ils ont niqué la chasse? Bah, non, Giant est tout seul. Ah, c'est possible. Bah, non, il y a Giant, il y a Burflow, il y a Peiku. Ah, ils sont revenus. Ouais. Je pense qu'ils sont. Enfin, il y en a un bon, ils sont revenus. Je continue à regarder dans la direction du Titan. TF de Bendul, on a aucune position ennemie. On n'arrive pas à les voir. Ils sont trop loin. On peut pas savoir s'ils vont arriver sur les. Ils vont arriver soit par les 6, soit par les 9. Parce que les 8 heures, c'est vraiment un merdier pour arriver. Bien reçu. Avec Red, on va avancer. On va partir en avant. Place tes mecs sur notre 6 pour nous couvrir. Il y a un vaisseau en l'air qui est en train de sortir. Un vaisseau ennemi. Alors je sais pas s'il va se poser aussi. Il tourne autour. Il tourne autour. Ouais, il est passé. Bonne nuit. Bonne nuit, over. Bonne nuit. Bonne nuit. Bien reçu. Ok, Red, on va avancer. Sur les cailloux là, entre nous et le Titan. Ouais. Tu me suis? Vas-y, tu veux. Ok, j'arrive. Prends la. Il y a 5 vaisseaux là. Vas-y, reste là. Prends, essaie de prendre la droite. Ouais, mais mettez-vous et essayez de vous mettre à couvert. Je crois que ouais. C'est Mowgli. Essaye de mettre. Putain, j'ai cru que c'était un mec maintenant. Essaye de mettre à droite de la colline. Ouais, je suis couvert derrière les cailloux.
Restez pas en plein milieu de la pampa comme ça. Tu veux qu'on avance plus ou juste ici? Trouvez une couverture pour couvrir vos 3 heures. Mendel. Comment que t'es toi par rapport à la couverture? Ben je t'ai mis avant je pense. Parce que là il y a plein de gros cailloux, ils peuvent se rapprocher facilement alors qu'avant j'avais une meilleure vision. Il y a leur vaisseau qui est parti s'écraser là-bas. Pour l'instant R.I.S. du côté des 3 heures. Bien sûr. Ouais, maintenez les 3 heures. Hein. Allez vas-y, on recule en hauteur. Je pense qu'on est un peu mieux en hauteur. Putain, je peux pas monter. Ouais, je suis obligé de te recoller. Pourront pas monter sur le côté gauche. Red Fog, j'ai vu une explosion vers vous, c'est normal? C'est le titan au fond qui a explosé. Je sais pas pourquoi. Okay. Bien reçu, je vais checker ça, je te tiens au courant. Apparemment, le titan a explosé. Ouais. Confirmation? Confirmation. Confirmation. Ok, confirmé. Je crois que c'est un des leurs qui l'a buté, mais... J'imagine que c'est pour éviter d'attirer l'attention. Que les deux ne courent pas? Je vois 4 vaisseaux sur Bien reçu, je vais leur dire. Ok, Mowgli et Croxis, arrêtez de courir à découvert ou un truc du genre, parce qu'apparemment les vaisseaux vont voir. Alors, ouais, le truc c'est que je cours pas, moi je suis même statique et je fais que de surveiller les 3 heures avec mon F. Ouais, mais là Croxis t'es au-dessus du rocher, je suis pas sûr que c'est une bonne. Moi je suis en dessous, caché. Ouais, mais il faut être caché, mais pouvoir voir les 3 heures en même temps. Ah, je suis juste en face des 3 heures, je peux les voir. Mais y'a rien. Pour l'instant, y'a rien. Voilà, je suis ici. Ok, Red, moi je suis pareil. Je tiens à la gauche de la colline. Donc, oui, là, oui. Tu regardes les 6 heures là. Là-bas, à peu près, ouais. Attends, entre le titan, je regardais s'ils vont pas contourner sur la gauche en même temps. Ils ont dû lancer l'autodestruction pour qu'il explose. Ah, j'ai un contact, légèrement sur la droite du titan. Je vois deux formes qui se téléportent. Ça va arriver par les 9h du shelter. Ok, deux contacts ennemis, ils vont arriver par les 9h. C'est reçu, TF. En bas de la montagne ou ils arrivent sur nous? En bas. Ils arrivent... En bas de la montagne. Ils sont loin encore. Ils sont encore assez loin. Ils se téléportent, donc ils doivent être à plus de 250. Minimum 3 contacts. Minimum 3 contacts. Oh, pardon. Les vaisseaux mitraillent, hein. Faites gaffe. Ouais. Reste à couvert si possible. Je crois qu'ils m'ont vu parce qu'ils tirent forcément, ils tournent toujours à côté de moi là. Ah, c'est pour ça, il faut mettez-vous à couvert les gars. Ben non, je veux dire, il y a une partie où ils peuvent pas me toucher donc. Ouais, mais à couvert, c'est juste vous êtes contre un caillou ou derrière un caillou, ça suffit. Bah, je suis contre un caillou en fait. Mais voilà, c'est bon. Attends, c'est quoi, je vais mettre là. Tu seras protégé des tirs. Ils se déplacent toujours un peu sur le sur la droite par rapport à moi. J'irai dans mes 1 heure. Ok, et. Toujours grosse distance. Ils vont toujours arriver sur les 9h? Ouais, ils vont peut-être passer par devant, hein. Je suis pas encore sûr de leur direction. Comment ça, ils vont aller... Pour l'instant, ils sont toujours sur les 9h. Ok. De ce que je peux voir, mais j'ai pas l'impression qu'ils avancent très vite. Ok. Croxis, t'as toujours ton sniper ou pas? Bah, faut que j'aille le rechercher si tu veux, mais il est un peu plus loin, quoi. C'est pas... Faut que je le cherche, quoi. S'il est tombé, c'est pas sûr que tu puisses le récupérer. Ouais, donc fais une passe vite fait, mais rapide.
Tu donnes un coup d'œil vite fait, si tu le vois pas, tu back et tu retournes à ta position. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir attaqué rien. Non, ça a l'air de se calmer. Silence. Ok, bien, c'est terminé. Ok, monsieur, plus de respawn. Ok. Vu qu'il est assez tard, du coup, plus de respawn. Vas-y, Red. Ah, ils sont toujours au même endroit. Hein. Oh, j'ai juste un qui est apparu, parce qu'il est à la limite de la vision, mais... Ils ont pas l'air de bouger. Ok. Pardon. Moi, qui recule pour disparaître. Bah, non, ils sniper. Sont toujours vers le gros rocher là-bas. Mon sniper, c'est mort. J'ai vraiment zioté partout, même, pour te dire, et j'ai rien trouvé. C'est pas grave. Il a dû passer à travers la planète. Toujours dans la même position, ils vont sûrement arriver par les 9h. Je te tiens en courant. Ils sont pas avancés. Ok, bien reçu. Ils sont à la limite de vision, du coup, il va sûrement les voir. Il y a TF qui vous rejoint. Non, ils vont pas. Vaisseau ennemi en l'air. Exact. Quel type? Chasseur. Ouais. Okay. Si c'est autre que chasseur, faut nous informer. Parce que... Ouais, non, mais si c'était autre que chasseur, je te l'aurais dit. Ok, ok. Il se déplace un peu. Ouais, ok, j'ai deux contacts. Il y a un vaisseau garé qui a explosé. Ils vont exploser les vaisseaux, à mon avis. 5 contacts qui se déplacent dans notre direction. 5 divisé en deux groupes. Un groupe de 3 qui va plus vers les midi et un groupe de 2 qui vient plus vers nous. Non, okay. Un groupe de 4 vers les midi. Un groupe de 4 qui va arriver sur les midi. Il y a Hornet. Hornet qui se pose à 3h. Hornet à 3h. Ouais. Vas-y, répète, Red. Un groupe de 4 qui part vers les midi, un groupe de 2 qui sont en train de les rejoindre. Il y a un chasseur qui s'est posé aussi. Ok, 6h. 6 personnels. Croxis, vous vérifiez, vous engagez dès que vous voyez. Deux vaisseaux sur les 3h. Comme c'est qu'avec les tirs de vaisseaux. Oh putain! Ils ont sorti quoi? Ils ont sorti une merde comme ça. Là. C'est quoi ça? C'est répétez, les gars, écoutez-moi. Combien de vaisseaux de poser sur les 3? 2. Deux vaisseaux de poser sur les 3h. Deux vaisseaux chasseurs. Deux chasseurs. Croxis, gardez-le en vue. Hein. Red, je te recolle ou pas? Non, je suis un peu à découvert, attends. Enfin, je me mets en vue F4 pour les voir, donc... Un nouveau titan vient de survoler la zone. Ouais. Faut qu'on fasse ils vont arriver entre les... Je dirais à 10h du shelter, ils vont arriver. Ils sont tous regroupés là-bas. À 10h? Ouais, je pense, ouais. Ok, ils sont regroupés à peu près à 10h du shelter. À 10h. Et ils sont 6 là-bas. Croquis, ça dit quoi les chasseurs posés à 3? Comment? Ça dit quoi les chasseurs qui sont posés? Vos chasseurs sur les 3h, c'est comment? Personnellement, j'ai aucun contact en vue, je me rapproche un petit peu. Plus en plus de la zone. Non, si vous êtes cachés, les gars, restez cachés. Ah merde, ok. Mais gardez la zone en vue. Ouais. Ouais, ils vont là, pas tarder à me voir s'ils m'ont pas déjà vu. Hein. Ils sont 6 toujours. Ouais, j'ai pas la meilleure des positions. Il y a le titan, le titan il est toujours en l'air, le titan. Ouais, c'est un titan de support sur moi. Pardon. Ouais, je peux me coucher, c'est bon. Ok, j'ai vu quelqu'un. Qui debout, mais... En sautant, j'ai vu quelqu'un. Sur les 3? Sur les 3 heures, ouais. Je vais retenter. Un personnel de confirmer sur les 3 heures. Un personnel. Si tu vois, tu engages, Croxis. Bah ouais, mais je le vois que quand je saute, donc attention, ils sont 6 contacts sur les 9 heures. 6. Est-ce que je peux engager le contact qui était tout seul, que j'ai vu? Si t'as bonne distance... Attends, je demande. TF, on engage le combat ou pas?
Moi, c'est trop loin pour faire quoi que ce soit. Ok, engage. On a perdu le gent. Rocky, c'est Mowgli, nettoyez. Mais mourrez pas. Ouvrez le feu, restez sur position, restez en mode défense. Moi, les 6, ils sont toujours là. Hein. Dès qu'on meurt, on le dit. Ouais. Oui, oui. Je crois que le contact était déjà mort. Et si vous êtes mort, je pense que descendez dans le canal 5. Je vais voir avec... Ils avancent un peu. Ils ont tué pays. Ben Doul, moi je suis sur les 6, je fais rien si vous avez besoin d'aide. Ouais, à la limite, soit okay. De Croxis à nettoyer, soit tu peux regrouper vers nous. J'ai en vue au loin le... Ouais, vas-y, recolle sur Red. Croxis. Lornette. Sur Red. Ouais, recolle sur Red. Pas directement sur moi, hein, parce que de toute façon, tu seras en ligne de vue. Place-toi entre Red et l'équipe ATF, limite. Parce que là, normalement, ils devraient me voir dessus. Hein. Je suis en train de me déplacer couché, mais... Ouh, il y a une bombe qui est pas tombée loin d'eux. Non. Ils ont okay, vraiment non, c'est juste... empêché les respawn, parce que j'ai l'impression que l'équipe ennemie, elle respawn bien. Ouais. Non, mais je crois que c'était le dernier respawn. Non, 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 parce que toi, JP et Overflow sont pas revenus. Yandou, la limite, recolle sur moi, ça peut être un bon point de défense ici. De quoi? Viens sur moi, limite, ça peut être un bon point de défense au Roxer. Je suis derrière toi. Et Bendul, si tu veux garder un œil à 6 arrières. Bah, je garde quand même sur les 6. Toujours un point de vue sur l'ennemi? Ouais. Ils sont cachés derrière des rochers et regardent vers les midi du shelter. Ils avancent pas trop. Hein. Oui. TF, Red, je suis derrière toi. Ouais. Fais gaffe parce qu'il y a des rochers qui ont pas spawn. Ils sont cachés derrière des rochers, mais on les voit pas donc ça se trouve. Le nôtre il est aussi invisible. Ah d'accord, je les vois là. J'en vois 3 devant moi. 4. Ils sont 6. J'ai une question. Un vaisseau avec une sorte de grosse tourelle tout en haut et 2 tourelles sur les côtés. Enfin, et 2 petites mitraillettes sur les côtés. Enfin, c'est pas vraiment une tourelle, c'est une mitraillette qui est au-dessus. C'est le 7C. HC7 là, je crois, c'est ça. C'est FAC. Non, Non, c'est, sûrement un vaisseau, c'est un H7C, je crois. Ah, c'est le Hurricane. C'est un, ah, oui, c'est un vaisseau qui est dans, le truc du mois, qui est dans les mois. Non, je crois que c'est le Hornet. C'est Hornet, ok. Oh, il y a un Avenger qui vient de France, là. Ouais, il y a du monde en face, là. Putain, S-Lord, ils sont 4 ou 5 sur lui. Ils attendent de finir de nettoyer l'air, puis après ils vont nous attaquer au sol, je pense. Ouais, ouais, ils vont bombarder la zone. Ça y est, c'est la fin pour Slord. On a encore de la nav ou bien? On a plus que Slord. Ah, y a TF aussi qui est sur la zone. Ouais, ouais. Ouais, par contre, ils sont vraiment limite, quoi. Red, tu crois qu'ils nous ont vu nous ou pas? Sur le flanc droit, c'est comment pas. Sur les 3 Croxis? Ah, de mon côté, là, où je suis là? Ouais, t'as ouais. Toujours visé sur le mec? Le mec, en fait, il a été tué à mon avis par. Comment il s'appelle? Skyhall. Parce que je l'ai vu et je sais qu'il a commencé à tirer dessus. Et dès que j'ai rapproché, il était plus là. Je me suis approché du Hornet. Ça a l'air inactif. Donc la personne, à mon avis, qui était dans le Hornet, c'était la personne qui a été tuée. Et là où je suis, pour l'instant, justement, je faisais le contour pour voir s'il y avait pas un mec qui était caché ou un truc dans le genre. Pour prendre. Ouais, mais il était, par rapport à vous, il était comment? Il était assez loin, proche? Il était Red très Fox, proche. Red Fox, on a un chasseur qui se pose à côté de nous, là. Où ça? À ta droite. Ah, il a redécollé. Ok. Il a le copy. Attention, TF, vous avez un vaisseau qui va se poser, là. Dagon, il est devant Dagon. Sur vos 6. À côté du Terrapin, à côté du Terrapin. Putain, mais il bouge pas en face, c'est abusé. Il est avec Dagon et Patapiz. Mowgli, Croxis, restez bien cachés. Hein. Restez pas à côté des vaisseaux parce que ça va exploser. Bah là, je suis complètement mec, ouais. Dans des sortes de petits canaux de cailloux. Alors, franchement. Parfait.
Gardez bien, essayez de retrouver le deuxième mec qui s'est posé. Bah, en fait, j'avais plus de vaisseau. C'est ça le problème. C'est que son second vaisseau, le second vaisseau avait disparu vraiment. Ah, ok. Ouais. Il a dû mourir ou il a dû exploser. Ils en ont pas marre d'attendre en face. Ça bouge. Ça bouge raid. Ouais, ça bouge un peu. Il y en a deux qui avancent. Parce que le reste, ils vont suivre. Il y en a deux qui avancent, Bendul. Vers le okay. Midi. Ouais, mais TF est... doit le voir aussi. Ah, il y a TF, Dagon, Pataplit. Et... pensez voilà. À l'oxygène, messieurs, l'oxygène. Ouais. Toujours bon. Mais il y a Gent, il respawn en fait. Ah, peut-être pour, le... pour l'air. C'est tout, quoi. Je sais pas, peut-être qu'ils ont changé. Ouais, peut-être pour la nage, ils ont le droit de respawn. Ouais, ouais. Donc, mais je trouve bizarre que. Slord, Macaque sont tous en bas. Et que Jen qui revient. Je crois pas te dire. Attention, Mowgli, t'as un chasseur qui tire dessus. Qui tire à côté de toi. Ouais. On sera mort de vieille, ils ont pas longtemps. Par contre, du coup, c'est quoi le vaisseau en étoile là qui tire là? Je sais pas. Arrête. Je crois que c'est un Vandoul ou un truc comme ça. Ah bon? Ça va pas, ça va soit pas ça, un... soit c'est le. Il est bizarre, première fois que je le vois ce vaisseau. La merde. Ouais, il est bien piloté par contre. Et c'est, tu connaissais quoi ben tiens, non. J'ai déjà piloté une fois, il est bien piloté, il est très maniable. Mais par contre, c'est du carton. Ouais. Il fait très mal. Putain. Toujours 3 contacts devant nous. J'ai l'impression ils sont super stressés, mais ils font rien. Je pense qu'ils essaient de réduire notre effectif là. Terrestre. Et Gent. Gent, il est poursuivi par 5 vaisseaux. Eh, hey, mais Gent, comment il est brain, mais c'est incroyable. Gent, ouais, de toute façon, il aime bien faire ça. Mais là, même lui. Non, mais il tire. Les gars derrière les rochers, ils tirent. Ils doivent tirer sur Mada et TF et tout ça. Mais ils sont trop loin. Oui, ils sont trop loin pour rien faire. Oui. Reste à couvert à la limite, Roxor. Puis tu utilises F4. J'ai pris un shoot vers Shelter. Shoot vers Shelter. Ok. Quelle direction? Afi. Sur vos 6. On arrive. Putain, j'ai perdu mon arme. Mets-toi à couvert. On est avec j'ai toi, Bendul. Ils sont où? J'ai perdu mon arme, attends. Non, non, pas de crash, s'il te plaît. C'est sérieux, putain. Ok, très bien, j'ai perdu mon arme. Mais... moi, je crois que j'ai crash. Négatif. Je vais même blesser, par contre. Putain, mais c'est pas possible. Ils sont en train de se poser, de... Repassez-vous, monsieur. Red, c'est comment? Figé, image complètement figée. Je te vois bouger, Red. Ouais, mais j'ai pas... Je fais quoi, des mouvements tout droit? Ouais, tu pars en arrière diagonale. Putain. Ah, c'est vrai, il gère quand même. Bendul, tu veux que je fasse quoi? Je retourne au 6? J'essaie de revenir. Ou je reste avec toi? Retourne au 6. Retourne... t'es placé tout à l'heure. Putain. Je sais pas ce qu'ils ont détruit là. Même ils ont détruit un vaisseau qui n'est, je crois pas, donc... qui essaie vraiment de réduire tous les vaisseaux à rien. Ils peuvent. Ils veulent pas qu'on parte quoi. Ok, ils tirent sur le. Je sais pas ce que c'est comme vaisseau. Valkyrie. Terrapine. Ouais, je crois que c'est ça, le gros vaisseau. Non, le Terrapine est déjà plus là. C'est le Valkyrie. Ah, c'est le Valkyrie là. Il est plus là. Sur 6, y'a rien. J'ai un Ro qui va se poser à 6h, je crois. Il a sorti les trains. Putain, il me shoot dessus, moi. Ouais, il shoot tout seul maintenant. J'ai un Ro qui vient vers toi, Bendul, avec les trains d'atterrissage posés. Enfin, sortis. Tu le vois, Bendul?
Attends, parce que là il est en train de me tirer dessus en fait. Il est parti en dessous de la falaise. Ouais. Bien reçu. Mowgli, tu vas sur le shelter. Il y a quelqu'un dans le shelter apparemment, autour du shelter. Fais gaffe Mowgli, t'es pris pour... Ok, il est pas sur le shelter. Il est sur zone ou pas? Ou pas sur zone? Bien reçu. Il y a un mec apparemment quand même. Fais gaffe. Bandoul, le haro va atterrir. Non, putain, il est sur moi, il est sur moi. Non, je sens ça. Il y a un vaisseau qui atterrit. Non, il atterrit pas, il est sur moi le mec. Non, puis moi j'ai plus d'armes. T'as un flingue? Sors un flingue. Permission de pouvoir avancer vers le mec qui vient de se poser. TF, on recule parce que là on va se faire submerger par les vaisseaux. Allez monsieur, on recule. On recule où? Vers le shelter. Parce que là on va se faire déborder par les côtés. Il y a des tirs de sniper. Ouais, et je vois le mec. Il est mort. Touché. Un mec derrière vous, TF. Le Red Fox, tout ça. Ah, je suis de retour, vous me voyez là? Ouais. Allô? Ouais. Y'a un gars qui est entre toi, Red Fox, et pas ta pizza. Je vois plus aucun nom, donc ça va être la merde. Permission d'aller vers vous pour essayer de... Bah c'est bon, je crois qu'ils l'ont encore. Non, reste à sa position. J'en ai buté un. Je suis au pistolet, mon arme principale, je veux plus tirer. Très bien. Celui que j'ai... Et le haro, il fait quoi, Bandoul, là? Je sais pas. Le haro, il s'est posé là, je sais pas ce qu'il fout. Je dois aller dans l'inventaire pour changer d'arme. Je suis derrière un caillou, je vise la sortie. C'est qui? Roxor, je te recolle. Ouais, il y a un vaisseau ennemi qui s'est posé là quand même. Fais gaffe. Et il m'a tué. Putain. Bah, c'est génial. Ils sont tellement pas bons qu'ils sont obligés de nous attaquer à vaisseau. C'est génial. Ouais, c'est clair. Eh ben, ils sont forts dans cette corpo. Ouais. On a encore des gens près du shelter ennemi ou pas? Mika. Putain. Moi, je suis pas là. Bandoul, on a encore des informations sur le shelter. Bah, y'a quoi? Là, ouais, mais là, moi, je me fais shooter par le putain d'arrow. Moi qui suis toujours en position sur la troisième. Sur la troisième. Je vois un gars sous le shelter, il est allié ou pas? Le gars sous le shelter, yes. Oui, c'est moi. Ouais. Putain, mais il me saoule lui! Ouais, il est chiant. Attends, nous on leur tire pas dessus à chaque fois, et là par contre il nous tire dessus. Ça par contre, ça va être dit dans le débrief. Bah le mec il atterrit, il s'est relevé, il s'est relevé, et à la fin il nous tire. Ah oui, oui. Il voulait car kill presque, on va dire. Ça par contre. Ça j'aime pas ça quoi. Ouais, pour nous empêcher de jouer, non. Soit t'as des vaisseaux pour tirer au sol, mais pas des chasseurs. Les gars, on est encore en combat. On a des infos sur les gars qu'on avait vus sur le côté là. Je vais demander. TF, t'as des infos sur les mecs qui étaient au 9? TF est mort. Ok. Je tiens à dire. Attends, non, il est pas mort. Bien reçu. Du coup, ben nous, on recolle pas, non? Attends. Putain, moi j'ai mes trucs qui se détachent. Attends. Fais chier.
Il y a toujours un Haro qui est à fond là. Ouais, ouais. Il se met en Vettel et puis il tire. C'est lui qui nous a tués. Ouais. Croxis, reste... je sais pas si c'est Croxis derrière moi, mais reste pas à découvert. Non, c'est moi. Par contre, là, il est en train de me regarder le vaisseau. Ah non, c'est moi, il a fait le tour. C'est qui en... en unité derrière moi? C'est pas ta pizza. Ah. Ni pas avec nous. ATF, il a dit tirez pas en stationnaire au sol. Bah, ils ont eu deux gars comme ça. Donc le, ah, loup, le il gars est en train de se poser, je crois. Oh, il fait que ça. Il se pose, TF. Devant l'entrée. Red, reste là. Non, Mado est pas nous. Croxis, garde ta position. Copy. TF de Bendul, on va prendre les 6 et les 3 heures. Red, tu me recolles. Je sais pas du tout, TF. Ouais. T'es avec les deux armes? T'as une arme sur, on s'est rapproché aussi, on est à 100 mètres du shelter. T'es pas mort, Bendul? Non. J'ai esquivé les balles à chaque fois. Okay. C'est toi avec les deux armes, Bendul? Ouais. Là c'est Mado. C'est Mado. Ok, mais je sais pas où recolle... t'es. Attends, je te recolle. À droite. Tu me vois là. À gauche. D'accord. Dessus. Ce coup-là, j'ai perdu un truc. Là. Ah, je suis mort. T'es mort où j'étais juste avant là? Ouais, sous le shelter. Sous le shelter. Ah, on va pas rester collé par contre, Red. Non, je vais descendre un petit peu. Vas-y. Je vais avancer moi un peu sur une ancienne position. Vas-y, il y a encore un vaisseau. Putain, il est chiant ce Haro. Pas trop d'action. Le Haro il regarde encore vers le shelter. Putain, mais il passe au ralenti, RAM. Attention, je crois qu'il y en a qui va se poser. Et ils vont faire comment avec leur vaisseau pour prendre le shelter là? Ça va essayer de se poser au sud, au 6h. Ok. Et je vais essayer de le backup lui. Non. Je vois encore deux vaisseaux ennemis en l'air. Il s'est pas posé. Attention, y'a tu fais que ça, il sait. T'es comment, Red? Je suis assez à couvert. Très bien. Bon. Ils sont peut-être pas déterminés à vouloir prendre le shelter, hein. Ils peuvent juste nous faire chier. Ouais, ils le savent que c'est un objectif ou... Genre... S'il y a des gens dans le shelter, ils pourront pas le prendre. Hein. Attention, je crois qu'il y a le Haro, il était se poser lui. Ouais, mais bon, il se pose, après il redécolle. Il nous cherche. Il va se poser. Je vois 4, 5 vaisseaux. Haro s'est posé sur les 9h. Il y a quelqu'un de l'UNI qui est à côté de moi, PO? Oui, moi. Ils savent que c'est l'objectif, c'est de prendre le shelter ou... C'est ce qui était prévu. Ok. À cause d'un putain de Haro. Si je l'avais en face, je détruirais sa tête. Par contre, nous tirer quand ils sont stationnaires... Ouais, je sais, ouais. Et non, par contre, que... ouais, leur vaisseau, par contre, tu nous tires pas dessus avec des chasseurs au sol, quoi. Soit tu tires avec des vaisseaux de au sol, mais pas avec des gros vaisseaux, des gros... Surtout que là, ils sont encore genre 5-6 chasseurs en l'air, ils devraient s'atterrir à un côté. Ouais, il y avait un Haro par contre qui essayait de carkill, quoi. Ouais, il atterrissait, redécollait, et après il nous a tués. Bah, il t'a tué, moi il m'a tué. J'ai évité les balles. Moi je suis sur le toit, comme ça, je suis fait shooter. Ok. Oh,
Mendul, t'es près du shelter? Je vais essayer de... Négatif. Je vais essayer de revenir en m'éjectant. À côté du shelter, t'as Croxis, t'as TF, t'as Dagon, Cymbeline. Oh bah, il se tire des missiles. Arrow posé sur. Je crois que c'est un arrow ou un chasseur, je sais pas, posé sur le. Comment ça s'appelle? Le shelter. Là. Très bien. Non, t'as. Moi, je suis sous mon rocher, je bouge plus. Jen, t'es qui est arrivé? Ouais, on dirait. Gadus, il a pris 2-3 missiles, à peu près. T'es où? Red, essaie de remonter à peu près sur le shelter. T'es un peu trop bas là. Ouais, mais bon, je remonte et je vais me faire niquer par les vaisseaux. Je crois qu'il y a un vaisseau qui essaie de se poser. Il passe juste au-dessus de moi. Hein. Mmh, bon, c'est pareil. Mais d'autres patas, ils sont bien. Croxis, t'es comment toi? Moi, je crois qu'il y a des vaisseaux qui commencent à se poser aux entours. Red Fox de ton côté, toi, tu as. Ouais, j'ai vu, ouais, j'en ai vu un. Ouais, c'était. Ils essayent de commencer à se poser pour nous encercler sur. Parce qu'il y en a qui essaient de se. Qui se posent, qui se relèvent un peu pour. Et qui se coupent un peu dans leur atterrissage. Tu feras gaffe de ton côté, attends. Ouais, Red Fox, parce que je crois qu'il y en a un qui atterrit. Et il y en a un du côté de Dagon aussi. Fais gaffe, TF, je crois que t'as un titan qui s'est posé pas loin de vous. Ouais, j'ai un titan de mon côté aussi, je vais attendre qu'il arrive à la découverte, après je l'allume. Ouh, je vais me le faire. On a un titan aussi sur notre zone. Sur les 6 qui s'est posé, plus bas. Dagon apparemment est parti vers un... Comment ça s'appelle les vaisseaux blancs Il est là, il est là, il est dehors. Les titans. Titan, il est parti vers un titan. Il y a un vaisseau, un assez gros vaisseau. Ah, mais non, c'est un. Merde. Hornet, c'est un Hornet. Merde. Qui s'est posé au fond. Vers. Bah, je crois que c'est les 12h, pile. Et je le vois, il court. J'en vois deux, recherche. Contact, j'en vois deux. Putain, il remonte dans son vaisseau. Regardez. Où ça, tu dis? Vers les 12h, il y en a deux contacts, mais ils sont assez loin. Ils se cachent derrière les cailloux. Deux contacts sur les 12h du shelter. Deux contacts. Ben non, je suis remonté un peu. Très bien, vas-y, remonte. Je vais voir si le gars du titan il remonte. Deux contacts au sud, deux contacts au sud. Oh, non, putain. Mais putain, les gars, quoi, ils font du sur place et ils tirent un sur place. Sky. Non, Sky est parti. Oui. Tu peux dire à Sky d'aller voir la SARD pour leur dire d'arrêter de tirer en. Putain. D'arrêter de tirer en stationnaire. Tu veux que j'aille voir ça, Sky? Voilà, ça se passe, les plots? Non, mais putain, mais. Et ils ont c'est pas bon, beaucoup de courage, les potos. Bah oui. Et du coup, ils mollent. Ah, y'en a. Ouais. Non, FDP, ouais. T'es mort, Bundle? Non, c'est bon. Apprends à piloter, tu apprends, on verra, bâtard. Ça m'énerve, ça, putain, les mecs ont aucune... C'est pas très copain en tout cas. Non. Bon, regarde, il revient. En fait, la technique qu'ils ont, c'est en chasseur. Ils vont pour se poser, donc nous on se met en cercle autour du chasseur pour attendre qu'il descende, tu vois. Normal. Ouais. Après, le mec il redécolle et il nous mitraille. Ah yes. Ou alors ils font juste du sur place et puis ils regardent s'ils voient des gens et ils tirent dans les cailloux. Tiens dessus. Ah, c'est pas très fair play, c'est vrai. Non, moi je te dis, le haro il s'est posé 4-5 fois devant moi. Ah, mais là t'as le titan, là c'est un titan là qui me shoot avec ses miniguns. Ouais, mais je le vois, hein. C'est celui qui a sorti un coup. Il est sorti, il a pris son arme, donc ils sont armés quand même, ils ont des armures, ils sont armés. Mais oui, ils sont armés. Ils sortent, ils regardent, ils voient personne, ils remontent dans les vaisseaux, puis après ils rattaquent. Il y a un Aurora. Ouais, je l'ai vu aussi. Ouais, les gars, moi je vais me foutre dire bonne soirée. Vas-y, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Mais y'a quelqu'un dans le shelter alors du coup? On a Cymbeline dedans, Mado. Mon avis, ouais, super, attends. Elle se tue à la tâche à mon avis, elle est en train de fondre dans le combat là. Bon, je vais vous laisser aussi. Okay. Ciao, une bonne soirée. Contact à midi les gars, contact à midi. Bonne soirée. Bah oui, putain, mais...
Dégage, j'ai pas envie d'attendre 3 heures pour me faire buter par un vaisseau. Je crois qu'il y a un Aurora qui va pas tarder à se poser, il a extrait d'atterrissage. Putain, mais. Écoute, moi j'ai attendu 23h30 et je me suis fait buter par un vaisseau qui voulait pas atterrir. Ouais, ah non, oui, non, putain, non, ouais. Ok, Aurora posé, Aurora posé. TF l'a vu, il court. Ah, il moi est juste mort. À côté de moi. Non, je peux pas sortir, il y a le titan juste à côté, il va me défoncer au moment où je sors. Ah, je crois qu'il va se poser. Vas-y, pose-toi, je te défonce, Taras. Les vannes de ce soir. Non, il veut m'avoir cette fois-ci. Non, c'est juste qu'il faut, qu'ils apprennent à jouer un peu différemment, les copains. Ah, pose-toi non, avec ton titan. Soit tu fais du combat au sol, soit tu fais combat en l'air, tu fais pas les deux quoi. Je me cache derrière, je le fais chier. À moins d'avoir un Valkyrie ou un vaisseau de... Bah oui. Soit tu fais un combat, un vaisseau de combat au sol, soit tu fais un vaisseau de combat en l'air. Pas les deux. C'est bon quoi. Halte au feu, on arrête, retour PO. Ah mais bon. C'est bon quoi. JP qui est parti faire du cargo. Là par contre il est reparti Sky. Ouais, je leur ai dit TF est passé. Sky est passé. Stop au tir messieurs. Non. Rangez vos armes, respawnez sur ce sera plus simple.